Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous, les amis, c'est Matt Killer et nous voici dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, la suite, s'il vous plaît. Donc, nous avions enregistré ici parce que c'était un cas d'extrême urgence et l'urgence était que on venait me. me faire chier, simplement. Pour pas grand chose. Mais bon, on me demande, j'ai bien. Bon, alors du coup, nous devions aller où? C'est la bonne question, je me souviens pleinement plus où fallait que j'aille. Ah oui, cours de... Oh putain, j'espère qu'on perd pas de points. Les cachots, au moins, ça va pas bouger. Ils ont gardé... Putain, il y a un truc ici. Je sais pas si ça s'ouvre ici ou ailleurs, mais il y a un truc. On va mourir. La dernière fois, je voulais le faire, mais le problème, c'est que là... on n'a pas encore le sort. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, c'est... de toute façon, je vais me rappeler, mais je vais pas le dire tout de suite, donc heureusement je suis pas rappelé, de toute façon j'aurais dit le truc et ça aurait été pas cool. Ah, je kiffe, je n'aime pas les araignées, ne l'oubliez jamais. Ça ne me fait pas peur, mais si je peux ne pas en avoir, ça me plaît beaucoup. Un peu d'attention. Aujourd'hui, je vais tenter de vous enseigner l'art de préparer l'une des potions les plus utiles jamais créées. La potion Wiggenfeld. Potter, merci de vous porter volontaire pour montrer au reste de la classe comment procéder. Eh merde. Venez ici immédiatement. Je suis pas d'accord. Oh, j'ai oublié de mettre le timer encore, putain. Je me fais avoir une potion Wiggenfeld régénère une partie de votre endurance. Une simple fiole est capable de guérir les blessures les plus graves. Dans ce coffre se trouvent les deux ingrédients de la potion Wiggenfeld. Du mucus de Veracras et de l'écorce de sorbier. Sortez-les. Passez-moi la clé d'abord. Ouais, ça a l'air cool. Où allez-vous, jeune homme? Revenez ici et terminez votre leçon. Oh putain. Il y a un passage secret, la connard, laisse-moi y aller. Maintenant, avancez jusqu'au chaudron. Et ne touchez pas la potion, je ne veux... Observez Monsieur Potter ajouter les ingrédients dans le chaudron et les mélanger. Attention, Potter. Vous ne voulez sûrement pas perdre de points. Non. Monsieur Potter a maintenant une potion Wiggenfeld. Pour boire la potion, appuyez sur la barre. Ça, c'est le truc que j'aime pas, c'est que c'est tout fait et ça ne change pas du tout. Retournez à votre place, Potter. Ça ne change pas du tout. Ceux d'entre vous qui sont audacieux ou maladroits... Le bouton, si vous voulez... ...tenteront probablement de fabriquer des potions Wiggenfeld par eux-mêmes. C'est pourquoi des chaudrons comme celui-ci ont été placés dans Poudlard. Ce sont les seuls chaudrons dans lesquels vous pouvez fabriquer de la potion Wiggenfeld. Voilà. Quant aux ingrédients, mucus de Veracras et écorce de sorbier, vous pouvez également en trouver dans Poudlard. Passons au cours magistral. L'histoire de l'extraction du mucus de Veracras. Alors pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que du mucus ? Avant ce cours, je croyais tout savoir sur le mucus de Veracras. Et j'avais raison. Mais j'ai trouvé qu'il avait abordé des aspects intéressants. Allons-y avant que Rogue ne sorte. Eh oh, vas-y, secret. Viens à moi. Laisse-moi te déchirer. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Cette voix, ça venait de là-bas. Allons-y. Ouais, j'ai rien entendu, moi. Tu sais ce qu'on dit, hein, pas vu, pas entendu, pas parlé. Voilà. Bon, on dirait que ça s'enchaîne méchamment là. Putain, t'as une sacrée oui, Harry, quoi. Je suis passé par ici. Oh, oh mon dieu! Mais on dirait presque le film. La chambre des secrets est ouverte. Pas du tout. Que se passe-t-il? Ah, Drago Malfoy.
Ennemi de l'héritier, prenez garde! Bientôt ce sera le tour des sangs de Bourbe! Dumbledore. Elle a été pétrifiée, mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir ici. Allez, viens, Harry. Le professeur Dumbledore a raison. Il n'y a plus rien à voir ici. Mais ici, il y a plein de choses à voir. Il y a du sang sur un mur, il y a un chat qui est accroché à une lampe et... Mais c'est rigolo, revenez. Tout le monde à Poudlard était très perturbé par l'agression de Mistaigne et la mystérieuse inscription sur le mur. Des rumeurs et des suppositions commençaient à... Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. Pauvre chat. Bon, Mistaigne est chiante, mais ça reste un chat, et moi j'aime bien les chats. Nous devons aller au cours d'enchantement, Harry. Et... il me vient une idée. Une idée à propos de quoi? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la Chambre des Secrets. Allons-y. Et pourquoi lui? C'est qu'un abo. Qu'est-ce que tu veux qu'il sache? D'accord. Salut. Ta gueule. Hé, hey, hey petite. Hé, hey, reviens par ici. Oh, désolé. Jamais tu ne t'excuses. Bon. Oh. Ah là là. Oh. Eh bien, je compte visiter un petit peu tout ça, là où j'avais trouvé le passage secret, entre autres. Oh. Dans la chambre. Ce chemin mène au cachot. Oui, bah, oh, tu l'as déjà dit une fois. Allez, Aurora. Parce que je n'ai pas le sort. Oh. Oh. Donc oui, c'est quand même nettement plus travaillé que dans Harry Potter 1, le château en général. Bon, c'est vrai que c'est rigolo quoi, ils ont vraiment repris les sprites d'Harry Potter 1 pour les trucs. Ils ont peut-être travaillé vite fait, mais ils ont pas animé les flammes, alors que tout le reste c'est animé. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Oh la vache! Hé Harry, qu'est-ce que tu as en stock? Dis-le. J'ai de l'écorce de sorbier, encore humide de rosée. Oh, et donc t'en as de la chance. T'as la VF, comme tu voudras, mais ça devient difficile à trouver, tu sais. Non. Qu'est-ce que tu as en stock? J'ai du mucus de Veracruz. De la meilleure qualité. Donc comment je sais que si j'ai besoin de faire une potion et que j'ai absolument rien, je peux venir me fournir les deux vendre. La prochaine fois. Mais il coûte particulièrement cher. En tout cas, la gonzesse coûte cher. Je suis dans la salle des potions. Je ferais mieux de faire attention à Rogue. Allez, oh merde, putain. Ah oui, je me rappelle du sort là aussi. Toujours sonder à mort les murs. Hein. Comme dans Harry Potter 1, de toute façon, faut pas perdre de vue cet objectif-là. Pas de secret, quoi. Ben, pas de secret entre nous. Toi, t'es chaud. Il y avait un truc par ici, de toute façon. Hé Harry, tu veux échanger quelque chose? Eh, ta gueule. On dirait que la fille est prioritaire sur le mec parce que quand j'arrive devant la fille, c'est elle qui m'interroge en premier, mais quand j'arrive devant le mec, c'est aussi elle qui m'interroge en premier. Moi je vous le dis, il y a un truc pas clair là-dessous. Bon. Alors où est-ce qu'on a cours d'enchantement? Le cours d'enchantement. Bah voilà, défi de l'Elasticus, c'est ce que je vais faire plus tard. Ectoplasmus, grande salle, Rectus Empra, cérémonie et point de liaison. Bon, déjà, je veux au grand escalier. Oh! Salut! Je te demande pardon. Dégage! Connard. Culé. Bon alors. Ouais, bah c'est Harry version trash, qu'est-ce que vous voulez? Vous me connaissez pas encore? Heureusement que Mistaigne a été pétrifié et pas cuisiné. Bah quoi, ça aurait pu être vachement bon un chat. On sait pas quel goût ça a. Enfin, on sait plus, parce qu'on n'a pas encore eu... Enfin, on n'a plus de problème depuis la Seconde Guerre mondiale. Dépêche-toi, Harry! Il ne faut pas arriver en retard au cours d'un... Putain, mais meuf, il vient juste de rentrer! J'arrive, Hermione! Bouf, bouf, j'arrive, bouf! J'ai un problème de bras! J'ai un problème... Quelle barbe, Potter, je vous aurai.
Ouais, et puis bon, en plus, comme ils sont très classe. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Ouais, moi je lis Enemy of Dare. Donc, Beware, c'est attention, pas forcément prenez garde, quoi. Enfin, moi, bref. Bienvenue au cours d'enchantement. Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'enchantement d'Ectoplasmus. Oui, mademoiselle Granger? J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets. Oh, des chiantes, je m'occupe d'enchantement, mademoiselle Granger. Pas de mythes ou de légendes. Ouais, ça va être un professeur d'histoire de la magie. S'il vous plaît, professeur, racontez-nous. Bon, très bien. Poudlard a été fondé par 4 mages et sorcières. Godric Gryffondor, Salazar Serpentard, Helga Poufsouffle et Rowena Serdaigle. La parité est respectée. Serpentard dit que seuls les élèves issus de familles de sorciers de souche entrent à Poudlard. Les autres refusèrent et Serpentard quitta l'école. Oui, mademoiselle Granger? Il aménagea une salle secrète dans le château, une salle dont les autres ne savaient rien. Je crois qu'il savait rien. Puis enfermer un horrible monstre à l'intérieur afin qu'il la protège de la curiosité des indésirables. D'après la légende, l'authentique héritier de Serpentard reviendra un jour ouvrir la chambre et utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école tous les sangs de bourbe. Oh, le putain de raciste. Il dit sang de bourbe. Mais tout cela est ridicule. Maintenant, non, revenons à la réalité, la magie. Monsieur Potter, pourriez-vous vous avancer et commencer les exercices pour le sortilège d'Ectoplasmus? Avec plaisir, professeur. Ah oui, vas-y, fais une révérence encore, tiens. Bon, c'est parti, donc ça va de la gauche à la droite. Non. Ne pensez plus à la chambre des secrets et à toutes ces sornettes pour le moment. Mais concentrez-vous plutôt sur le symbole devant vous. La baguette va se déplacer le long du symbole. Au moment exact où la baguette passe sur une flèche, appuyez sur la touche fléchée correspondante. Cet exercice comprend 3 niveaux. Vous devez réussir à toucher toutes les flèches dans chacun des niveaux. Vous moi, êtes je suis pas niveau de 1, c'est allez, parti. Oh là là, cette petite musique derrière. C'est quand même vachement plus simple que dans Harry Potter. Quoi, hein. Bravo Harry! Vous pouvez passer au niveau supérieur. Chouette, chouette. 5 points pour Gryffondor. Niveau 2, allez-y. C'est d'une difficulté accrue. 2 touches. C'est très très dur. Voilà, je crois que j'ai fait ce qui est plus difficile. Non, encore un niveau supérieur. Vous pouvez passer au niveau supérieur. 10 points pour Gryffondor. Niveau 3, c'est à vous. Oh là là. Bon travail! Vous avez réussi tous les exercices. Motherfucking hey! 15 points pour Gryffondor! Eh ouais! Eh ouais! Bravo, Monsieur Potter! Vous pouvez tous vous prosterner devant moi là, wesh! À présent, il est temps de tester vos nouvelles connaissances dans le défi de l'Ectoplasmus. Ah oui, emmène-moi dans le défi. Le défi de l'Ectoplasmus, plus. Bienvenue, Harry, dans mon défi d'Ectoplasmus. Ouais, moi aussi, Ectoplasmus, ça fait penser à Erasmus. Pour relever ce défi, vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. J'ai l'impression que je vais légèrement chier. Si le compteur de défi atteint 0 avant que vous ne la récupériez, vous perdez. Oh. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous recommande de toutes les trouver. Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points. Ouais. Bon.
qu'on appelle du racket. Je m'en porte très bien. Il me semble que sur la PlayStation de 10, j'ai ensorcelé. Est une substance verdâtre très peu ragoûtante laissée par certains fantômes. Il bloque parfois des passages. Ouais, ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Et puis Erasmus. Excusez-moi, j'ai jamais fait Erasmus et je me porte pas plus mal, mais non, parce que dans le genre sauvage, je m'illustre, donc forcément, moi je vois une chambre, mais je me porte. Et quand même. Pour libérer un objet coincé dans de l'ectoplasme. Motherfucker. Ectoplasmus. Ectoplasmus. Flipato. Bon, hé, t'avances plus con là. Flipato. 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 C'est quoi le souci là? Ectoplasmus. Mais attends, le truc, je le dégage, il est encore là. Mais putain, t'avances, mec! Oh nom de Dieu, ce que tu veux pas faire pour que t'avances? Oh, j'ai gagné une barre de vie! Et j'ai une deuxième cicatrice! Oh yeah! Deuxième cicatrice. Oui, en fait, Harry collectionne les cicatrices et ça, c'est super. Bon, alors là, si je ne m'abuse, il faut encore que je l'avance. Je peux pas avancer encore le truc. Voilà. Là, on est bon. Here we go. Oh, t'as pas qu'un. Mais alors, en fait, il y a combien de roues là? J'ai pas aimé ce bruit. Ok, c'est bon. On enregistre encore. Bon, toi, viens là. Oui, désolé d'avoir sauté un micro sans vous prévenir, mais c'est juste que j'ai cru qu'il y avait un léger problème de son et que lui, il faut faire gaffe parce que lui, c'est un enculé. Voilà, et au fait, on a combien de temps de jeu? Parce que si on arrive là, 15 minutes, ouah, continue. L'ectoplasme vous affaiblit, Harry. Plus vous restez en contact avec lui, plus vous perdez de points de résistance. Oh merde. Dans ton cul. Oh putain, il a plein. C'est quoi le problème? Oh, 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 c'est quoi ce coup de lag là? J'ai oublié de fermer un truc derrière. Ah, c'est pas votre PC qui pète un câble, hein, c'est votre... Ok, d'accord. C'est plus gros que l'embouche. C'est venu où ça? Sachant que la 10. Oh putain. Oh non, c'est Peeves. Oh, mais c'est l'affreux petit morveux boutonneux de Potter. T'es tellement moche que toutes les insultes te vont à ravir. J'aime bien Peeves. Comme dans Harry Potter 1, on peut pas viser correctement. Je sais pas comment ils ont fait leur système de visée pour ces passages-là. C'est l'horreur. Mais c'est le petit pote Potter!
Bon, bah c'était le bon passage. Alors, où est-ce que ça me mène tout ça? Ectoplasmus! 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 Bon, bah allons-y, hein. Alors, on a combien de temps du coup là? Ça a bien dû prendre 5 minutes ça. Les amis, on arrive à 20 minutes, étant donné que c'est le temps que j'aimerais avoir sur tout Harry Potter et que sur les 3 premières parties, on n'a pas réussi à atteindre ce temps. On va s'arrêter là pour cet épisode et on se reprendra ici au milieu de ce défi de l'ectoplasmus. Ah, l'épisode de 5, je crois, oui, du coup, c'est 5, oui. Donc, prochain épisode. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Allez, ciao !